L'autre manifesté, nous on a pu s'enfuir parce qu'on n'a rien, lui non, ils l'ont attrapé, ils l'ont tabassé. Voilà, dans quel état ils l'ont mis, ils l'ont gazé, ils l'ont tabassé. Voilà. Et où est-ce que, où est-ce qu'il le manifestait? En bas. En bas, PH, en bas, au PH. En bas, on était, voilà. D'accord. PH. Il était sur son fauteuil roulant, j'imagine. Mais il ne peut pas descendre là. Il n'est jamais descendu de sa vie là. Mais vous ne voyez pas comment il est arrangé, sans déconner. Il ne peut pas marcher, il ne peut rien faire, il ne peut pas lever les mains, il est inoffensif. C'est pas lui qui les aura agressés. Ce n'est pas vrai. Mais ils l'ont tabassé. Et la presse régionale, elle en a parlé ou pas? La presse, non, personne n'en a parlé. Vous êtes la première à s'y en intéresser, lui. Voilà. Non, il n'y a personne qui a parlé. Non, il n'y a personne qui... C'était des policiers ou des gendarmes? Gendarmes. Gendarmes ou forcément, je ne me rappelle pas. CRS. Mais enfin, il faut quand même dire qu'ils nous poursuivent partout sur la route et tout ça, à coups de bâton, hein, quand ils sont là. À coups de bâton, ils nous allument. Il y a aussi, vous pouvez le dire. Hein, si vous... Il y a aussi la police qui est venue. Une fois, Ils nous poursuivent dans les champs en nous foutant des coups de bâton. Alors qu'on ne fait rien, il ne se passe rien à Perpignan. Il n'y a aucune raison qu'on reçoive. Vous êtes ici, là, et ils vous poursuivent dans le coin. Partout, ils nous poursuivent, comme si on était dans la paix. Alors qu'on est toujours les mains dans les poches. Hein. Je peux revoir les bras du monsieur? C'était il y a un mois, ça. Donc ne le pas, c'est pour ça. Voilà. L'attendez qu'ils lui ont foutu, hein, il y a... avant Noël. Hein. Ouais, encore ce qui reste. Hein. Bah oui, il a des problèmes de santé et de... Mais il ne peut pas bouger, le pauvre. Voilà. Vous avez une belle photo, vous l'avez là. Merci.